Et donc, autant que je coupe. Je vais remettre par précaution mon armure. Ah oui, il y a un cochon qui veut m'attaquer. J'ai bizarre la musique qui s'arrête. Bah, si je fais un regain de santé tout de suite. J'aurais pas le droit d'accoster. Ah!
Alors, je suis arrivé à la grotte de Bonne Source, il faut que je parle à Ellette ou à Zesra. Merde, j'ai plus de magie. Regain de magie. Merci. Oui, qui est là? Eh bien, eh bien. Voyez qui va là. What? Bah, moi qui pensais... Je pensais que j'étais en territoire conquis. Que signifie... pas échappé au tranchant de ma lame. Mais pourquoi avoir... Je comprends pas. Oh non, je suis mort. Ouais. Vous êtes chiant. Bon. Pour le monde de l'alchimie, je veux bien shipper. Attends, ouais, je lirai plus tard. Guide des démages, faut que je prenne ça aussi. C'est des bouquins qui me seront utiles. Oh putain, j'avais pas vu. Alors. Et devant, tu te dis, mais qu'est-ce que les nécromanciens viennent faire là? Thank you.
Votre présence ne sera pas tolérée. Je vais lui shipper une robe à la miss. C'est pas vrai, elle est morte. D'accord, ça doit être la rébellion des nécromanciens par rapport à la réforme de la guilde. Zarasash s'est fait assassiner en fait. Je comprends mieux. Mais pourquoi un membre de la guilde des mages irait siéger dans une grotte? Certes, c'est là où on trouve le bois des bâtons. Dommage. Je trouve ça un peu dur. Ouais, faire dodo une petite heure. Assassiné par les... Non, il y a une rébellion de ceux qui étaient des nécromanciens, mais ils n'étaient pas d'accord de se faire chasser de là. La guilde, en fait. C'est ça le souci.
problème, si j'ai mis la main sur le corps de Zarasha, où est Elette? Il va pas, j'ai pas trouvé Elette. Mais j'ai pas de nom à mettre en fait sur les dépôts. C'est ça qui est dingue. Là j'ai pas la clé. Oh merde. Shit. Eh bien. Merde, j'ai pas le temps de. Ok, je crois que j'ai compris. En fait, l'îlot est un repère des nécromanciens, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Avec une telle frénésie que j'ai déclenché le dialogue sans vouloir. En fait, là, c'est l'île des nécromanciens rebelles.
D'accord. D'accord, c'était dans toi. Eh bien, qu'avons-nous là? Un autre joujou? Vous allez danser pour moi. Oh oui. Je vais faire danser votre dépouille jusqu'à ce qu'elle se désarticule totalement. Ah, il y a la capuche qui va avec. Putain, mais elle pèse lourd. Ça pèse lourd dans sa tribu de... nécromancien. Ah, la planète. Oh non, mais la capuche... elle a été assassinée. Alors, les nécromanciens qui m'ont conduit à un piège ont été vaincus. J'ai besoin de bois pour un bâton et je vais retourner chez Ramius Paulus pour lui raconter ce qui est arrivé. Mais tu m'étonnes. Donc c'est Lilo mage en fait ici. D'accord. Ah, c'est sympa. D'accord. Sur cette île. Qu'est-ce qu'il y a ici?
pas la... J'ai pas la clé sur... dans l'eau. Comment ça va ? Bonjour. Les gens ont foi en les neufs. Et les prêtres font le nécessaire pour les soigner et les réconforter dans l'adversité. C'est bon à savoir. Grâce à Karaïl et à sa guilde, les routes des environs d'Anneville sont plus sûres maintenant. C'est un exemple pour nous tous. Je n'aurais jamais cru. Oui ? Othello, c'est du genre sournois. On a toujours l'impression qu'il est en train de mijoter quelque chose. Je l'ai vu une fois, et puis il a disparu. Que pensez-vous de ça? Oh, bonjour. Bonne journée. Salutations, apprenti. Qu'y a-t-il? Des nécromanciens dans la grotte? Oui, là, il y a eu insurrection et il y a au moins 2 morts. Et les Thaï Zaracha sont mortes? Non, ils n'avaient encore jamais fait preuve d'autant d'audace. Jusque-là, il restait toujours dans l'ombre, le plus loin possible de la guilde. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner ce changement? Il faut que j'en parle au conseil. Merci de m'avoir transmis cette information. Et maintenant, allez vous occuper de votre bâton et de vos blessures si nécessaire. Allez voir Delmar au Chironasium. Il pourra vous aider. Allez le voir sans attendre. D'accord, ok, merci. Pour le bâton de mage? Maintenant que vous avez le bois, allez voir Delmar au Chironasium. Ok, je vais prendre un café avec lui, café Delmar. Vous aurez bientôt un vrai bâton de mage. Oui, merci, merci, merci. Avec jouet. Avec jouet, avec jouet. J'ai entendu dire que vous vous débrouillez très bien en armure légère. Ouais, je prends mes aises en fait avec ça, c'est ça qui coule. Des rumeurs? Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. Ouais, je sais pas ce que je peux y faire. Bonjour. Bon Yul. Ah, c'est la première fois que j'entre là, dis donc. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Pardon. Bonjour. Oui. Oui, je ne doute pas que vous ayez quelque chose d'extrêmement important à me dire. Mais les apprentis n'apprennent pas seuls, vous savez. Bonne journée. Oui, c'est vrai. Elle a raison, merci. Je vais pas te déranger davantage, ma grande. Ah, laissez-moi shipper vos récoltes, que je fasse de l'alchimie avec. Oh là là, mais oui! Voilà. Les alchimistes sont d'excellents jardiniers. Ah oui! Ils ont tout compris. Oh, il y a du lin. Magnifique. Je prends tout, je prends un échantillon de tout. Tout le bosquet va y passer. Ah, lumière, disent.
Je prends tout. Mais oui, mais c'est merveilleux, Vendela. Alors, c'est pas forcément jaune, ça peut être rouge, ça peut être bleu. Je prends différentes couleurs, teintures, la Vendela. Enfin, le, là. Un grand mage. Stylé. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. Bienvenue au Chironasium. Je peux vous aider? Mais oui, j'ai le droit à mon bâton maintenant que j'ai rendu service à toutes les guildes du royaume. Des rumeurs? Kaltar a essayé de ruiner la guilde de Leyawin. Ça montre bien qu'on ne peut pas faire confiance à un nécromancien, même s'il se dit repenti. Ah là 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 là. Ah tiens, prophète, t'en penses quoi? Je ne sais pas grand-chose de lui non plus. Simplement qu'il est apparu à Anneville peu de temps après l'attaque de la chapelle. Mmh. Ouais, ça laisse songeur. Enfin bon. Oh là 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 là. La guilde, t'en penses quoi? Si vous souhaitez créer vos propres sortilèges, vous avez frappé à la bonne porte. Ah, magnifique! Je vais voir ça avec toi avec joie. Et la cité impériale? Une ville géniale. On en prend plein les yeux. Baladez-vous et émerveillez-vous. Vous n'avez qu'à remonter la promenade verte et faire le tour du palais. Ah, le bâton des mages. Oh oui. C'est une grande étape pour vous, mon ami. Que vous le sachiez ou non. Maintenant, vous devez décider quelle sorte de bâton vous recherchez. Quelque chose qui vous convient, qui corresponde à vos capacités. Voulez-vous commencer? Oui, avec plaisir. Mais je me demande même si je ne pouvais pas faire un bâton qui attribue des soins, que je puisse devenir guérisseur. C'est une voie que j'aimerais étudier, moi. L'enchantement d'un bâton est parfois une opération délicate. Seuls certains sorts vous seront vraiment utiles. Alors je vais en réduire un peu l'éventail. Commençons par l'école. Quelle est celle qui vous tente le plus? Destruction, illusion ou mysticisme? Ce sera pas la destruction. Moi, j'aime pas la destruction. Par contre, l'illusion et le mysticisme, je crois que je vais opter pour le mysticisme. Je peux enchanter le bâton avec trois sorts. Capture d'âme, télékinésie et dissipation. Ouais, ce sera capture d'âme pour moi. Hein. Parce que si je dis recommençons, tu me proposeras quoi? Bon, d'accord. Vous avez le choix entre... Oui, alors attends. Si on fait illusion, tu me proposes quoi? Il existe trois options pour la magie de l'illusion. Ah. Charme, paralysie... et silence. Laquelle préférez-vous? La paralysie, je dirais pas non. C'est un sacré avantage. Ouais, je veux bien la paralysie, du coup. Vous pourrez brièvement pétrifier vos adversaires avec ce bâton. Je peux me mettre au travail tout de suite, ou bien nous pouvons reprendre depuis le début. Non, je veux bien que tu... C'est ce que je veux, ça me plaît vachement. Bien, je vais me mettre au travail. Venez me voir demain, votre bâton sera prêt. Merci, Delmar. Oh, c'est adorable. Merci tout plein. Bon bah je vais passer la nuit avec joie dans la... Dans la guilde. Bref, j'ai déjà tout ramassé je crois. Du coup j'ai le droit de visiter un peu, non? Bon, pardon? Bonsoir. Oui, je ne doute pas que vous ayez quelque chose d'extrêmement important à me dire. Mais les apprentis n'apprennent pas seuls, vous savez. Bonne journée. Oula, il me fait du rentre-dedans, cochon. Ah, une salle d'entraînement.
J'ai le droit? Oh vache! Idée. Attends, je vais mettre ma tenue de... Je vais mettre ma tenue de d'apprenti parce que... Ils vont mal le prendre sinon. D'ailleurs, je peux retirer mes... mon armure. Attends, je vais essayer de faire un sort. Boule de neige. Attention, magie de neige. On est un peu plus haut. Ouais, c'est pas mal. Faut viser un peu plus haut. Excusez-moi de vous demander. Si vous pouvez être au courant. Reynald Viernis. Je suis le surveillant de la salle d'exercice. Je ne tolère aucun chahut. Cette salle est réservée aux exercices sérieux. Je vous remercie, j'ai fait des miens. Des rumeurs ? On dirait que la guilde de Skingrad est incapable de savoir ce que font ses membres. C'est déplorable. Cité impériale ? J'aime bien marcher. On peut se promener des heures durant en ville. Il y a toujours quelque chose à voir, quelqu'un à qui parler. C'est vrai. C'est le charme d'une capitale. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi. Du coup, je suis vraiment curieux. Qu'est-ce qu'il y a... Ah, il y a encore le truc. Oh, vache. Je suis désolé, collègue, mais je n'ai malheureusement pas le temps de rester discuter maintenant. J'ai beaucoup de travail, comme vous devez vous en douter. Oui, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Bonne fin de mois. Je ne sais plus. Je ne sais plus où je suis, Paldo. Ah. Oh. Oh, on voit une des lunes. Magnifique. Bonjour. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je suis désolé, collègue, mais je n'ai malheureusement pas le temps de rester discuter maintenant. J'ai beaucoup de travail, comme vous devez vous en douter. Excusez-moi, magistère. Je peux vous parler ? Mais oui, bien sûr. Je suis désolé. Quoi ? Ah, vous ? Excusez-moi. Pardon ? Oui, je ne doute pas que vous ayez quelque chose d'extrêmement important à me dire. Mais les apprentis n'apprennent pas seuls, vous savez. Bonne journée. Oui, bonne journée. Qui c'est qui voulait me parler ? Je sais que vous avez du travail, mais il faut que je vous parle. Pardon ? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il ? Vous vous souvenez de cette affaire sur laquelle vous m'avez demandé de faire des recherches ? J'ai des informations pour vous. Pour résumer, votre théorie est possible. Comme quoi on est vraiment loin de tout savoir sur la magie. Les boules de feu, les boules de glace, c'est une chose, mais ça, incroyable. Oui, exactement. Et maintenant ? Est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je m'attaque à quelque chose de plus ancien, comme les antiques malédictions à Ilaid ? Prévenez-moi dès que vous aurez trouvé autre chose. Oh, et il vaut mieux ne pas en parler aux autres pour le moment, tant que nous ne serons pas sûrs. Adieu, mage, que vos sorts soient toujours protégés. Bonjour ! Je vous salue. Oui, bonjour, vous deux. Pardon ? Oui, je ne doute pas que vous ayez quelque chose d'extrêmement important à me dire. Mais les apprentis n'apprennent pas seuls, vous savez. Ah, bonne journée. Ils sont chiants. Pardon ? Mais non ! Oui, mais je voulais je ne cliquer doute pas sur l'autre. Que vous ayez quelque chose que d'extrêmement tu viens important faire, à me dire. Hein, bon. Mais les apprentis n'apprennent fais pas seuls, vous savez. Pour parler poliment. Bonne journée. Je suis désolé, collègue, mais je n'ai malheureusement pas le temps de rester discuter maintenant. J'ai beaucoup de travail. Comme vous devez vous en Je serais méchant, je dirais que c'est le petit frère de... Comment il s'appelle, là, le vilain au chapeau triangulaire, là, dans Resident Evil 4, là, Salvador, là, je sais plus quoi. Salazar.
Il a des airs de famille. Oh, quartier du mage. Toc toc. Y'a personne? Bah. Youhou. Oh, les mages font de dos. Oh là là. Mince, c'est pas assez de magie. Bon, regain de magie. Regain de magie. Oui, oui, je reviens de me trouver à Plumard, moi. Oh, bonjour. Heureuse de faire votre connaissance. Et moi, oui, alors? Je suis Boderi Farano, de la Guilde des Mages. Vous souhaitez recevoir un entraînement avancé en mysticisme? Je pense pouvoir vous accorder un peu de temps. Fort aimable à vous, grande dame, mais c'est pas vraiment ce que je cherchais dans les médias. Des rumeurs? La Guilde des Mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. M'en parle pas, là il y a beaucoup de grabuge sur ce sujet en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? La cité impériale? Y a-t-il d'autres mentors dans les arts magiques dans la cité? Justin, Dovin Arène, dans le quartier du marché. Instructeur de base dans l'art des altérations. C'est un privilège pour moi. Salut. Oula! Oulala! Oulala! J'ai 4 images. C'est un plaisir de vous voir. Mais vous êtes trop nombreux. On dirait que vous savez vous servir de votre épée. Au secours, je me barre d'ici. Mais ils sont trop nombreux. Non mais ils sont 650. Oh, Julien. C'est un plaisir de parler avec vous. Je t'ai reconnu. Des rumeurs? Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. Ouais, ça arrive. Si vous trouvez des ingrédients inhabituels au cours de vos voyages, pensez à moi et apportez-les-moi. Ça pourrait s'arranger. J'en ai des rares dans un de mes tonneaux. Bonjour. Bonjour. Oh là là, ça fait sectaire. Je sais que vous avez du travail, mais il faut que je vous parle. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'y a-t-il? Vous vous souvenez cette affaire sur laquelle vous m'avez demandé de faire des recherches? J'ai des informations pour vous. Ah, pour résumer, y a des punks. Votre théorie est possible. Chez les mages, il y a au moins un punk. Ce n'est pas surprenant. En fait. Il s'agit de nécromancie. Quelle discipline. Très bien, mais soyez bref. Tout se j'ai des recherches. Et ces chères décompositions. Vous vous souvenez cette affaire sur laquelle oui, vous m'avez demandé exactement. De faire des recherches? Et maintenant, est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je m'attaque à quelque chose de plus ancien, comme les antiques malédictions? Ah, vous devez être la dernière recrue. Remettons-nous au travail chaque jour. Oh là là, mais il va avoir de nous. Je me demande si tout ceci va affecter le travail qui a déjà été. Ah, les archives mystiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un documentaliste? Oh! Trop stylé. Les B. Ah! Eh bien. Excusez-moi du peu. Oh! La bibliothèque! C'est vous? Salut. Merci. Je suis désolée, collègue, mais je n'ai malheureusement pas le temps de rester discuter maintenant. J'ai beaucoup de travail, comme vous devez vous en douter. Ah, soupir. Oh, les enfants du ciel. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est mon... Ah, une toute petite histoire. Bah, je vais la lire hein, en 4 pages. Les Nordiques. Les Nordiques considèrent qu'ils sont les enfants du ciel.
Innombor de ciel, la gorge du monde, car c'est là que le ciel a soufflé sur les terres pour les engendrer. Ils se considèrent comme des étrangers et des envahisseurs éternels, et même quand ils conquièrent et règnent sur un autre peuple, ils ne se sentent aucune affinité avec lui. Le souffle et la voix sont l'essence même des Nordiques. Quand ils triomphent de puissants ennemis, ils adoptent leur langue comme trophée. Ces langues sont tissées sur des cordes et peuvent s'exprimer par enchantement. Le pouvoir d'un Nordique peut être libéré avec un cri semblable au Kiaï des chevaliers à Kavirois. On appelle langues les plus puissants de leurs guerriers. Quand les Nordiques attaquent une ville, ils n'utilisent ni engin de siège ni cavalerie. Les langues se réunissent devant les portes et retiennent leur souffle. Quand le chef crie, les portes sont soufflées et les guerriers attaquent la ville. Un cri peut être utilisé pour aiguiser une arme ou attaquer un adversaire. Les effets les plus communs sont les cris de commandement et ceux qui repoussent les adversaires. Un puissant nordique peut inspirer la bravoure à ses hommes ou arrêter la charge d'un guerrier d'un seul rugissement. Les plus puissants des nordiques peuvent appeler une personne précise à des kilomètres de distance et peuvent se déplacer en criant, réapparaissant à l'endroit de leur choix. Les plus puissants des nordiques ne peuvent parler sans provoquer un désastre. Ils doivent être bâillonnés et communiquent par écrit ou grâce au langage des signes. Plus vous allez vers le nord de bord de ciel, plus les gens sont puissants et liés aux forces élémentaires, et moins ils ont besoin de demeure ou d'abri. Le vent est fondamental à bord de ciel, et les Nordiques qui vivent dans les lointaines terres désolées en ont toujours un avec eux. Le son qui arrive à point nommé. Le vent qui se manifeste, je le rappelle, ça c'est le son d'alerte de la messagerie pour dire que j'ai reçu un nouveau courriel. Bon, rien d'anormal, hein, j'ai envie de vous dire que j'en reçois toutes les heures. Et encore, c'est un minimum. Bref. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Oui, merci. Non, je suis juste intrigué, je découvre les lieux. Comme je suis nouvellement nommé à la guilde des mages comme un panty, j'ai le droit de déambuler ici et je le découvre. Oh là là, ça donne vraiment envie d'étudier les arcanes de la magie. C'est quoi tous ces crues en hauteur? Ça vous dirait de préparer des potions? Vous avez l'air de vous y connaître en alchimie. Ah oui? Je peux te préparer un truc, tu veux quoi? Oui, tiens, elle a raison, la demoiselle. Avec tout ce que j'ai récolté dans les... dans le parterre, là, à l'entrée. Laisse-moi réfléchir. Oh là là, les sacro-saint graines de lin. J'adore les graines de lin. Ah, le regain de magie, ouais, il faut que je le fasse à gogo. Oh, à part le sel de feu, il n'y a pas. Hein. Quand même à force. Ibi. Y'a rien que je puisse faire en paralysie là. Ouais, je peux faire ça, au moins ça m'allège un peu. Ah, tu as vu juste ma lampe, tu as vu juste. Oh, tous les bouquins à lire, toi. Oh là 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 là. Rappelle-moi de revenir ici quand j'ai un truc à lire. Ah, ah. Bonjour. C'est The Bibliothèque. Oh là là. Mais je suis en train de m'interroger. Est-ce que vous auriez pas en fait les... Non en fait... Oh là là, mais c'est dingue. Vous avez plein de bouquins en triplon, si ce n'est plus.
Mince, pardon, je vais refaire mon sort de ma vie. Oh là là. Comment ça va? Ça, c'est quoi? C'est des bouquins vachement rares? Que me vaut ce plaisir? Les ponts magiques, les elfes sauvages et les jardins suspendus. Oh là là! Eh bien... Je suis impressionné. Oui, j'ai l'air de me sortir. Centre praxographical. Vache. Gaspard Stégine, maître créateur de sorts, oh. À votre service. Nouveau sort, vieux sort, bon sort, mauvais sort, tout ça m'amuse. Oui. Des rumeurs? Je crois comprendre que Daga, il contrôle bien mieux ses facultés, maintenant que le plan ourdi par Kaltar a été révélé au grand jour. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Oh la vache! Wow. Détérioration d'art, 150 points! Autant dire qu'à la main, je brise la lame des meilleures armes. Oh là là, c'est énorme! Non mais le mec il se prend pour Néo là. Invocation d'araignée d'Aedra. Énorme. Invocation de spectre diffus. Mais c'est quoi ce niveau de fou? Oh, lumière du jour. J'ai... Oh là là, mais il me le faut ce sort. Moi j'ai le clair de lune depuis peu. Là il me propose lumière du jour. Oh, sur 60 pieds pendant... Pendant 7-8 minutes. Oh là 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 là, énorme. Là, j'ai ni le pognon, ni la puissance de magie pour pouvoir faire... un truc pareil. Pff. Oh là 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 là. Bonne journée. Oui, merci, toi aussi. Je suis... What the fuck? What? Je peux créer un sort? Mais c'est quoi ce délire? Plume et lumière.
sur soi. Attends. Pendant 60 secondes, attends voir. Avec un effet de lumière. Non, sur soi. Oui, bah son. Okay. Nécessite illusion talent 50. Ah. Vache. Intéressant. Ah, c'est énorme. L'armure liée, tu sais, tu lis tout en même temps. Hein? Regain de santé. Si je pouvais faire regain de magie aussi. Attends, regain de santé sur soi. Ouais, tout doux. Et je pourrais créer mon sort, déconne pas. Waouh, ça m'ouvre des possibilités là, c'est. Ah oui, ça coûte cher. Oh la vache. Ah, hein. Avec une fortification de magie, ce serait sympa. Oh, je vais faire un toucher apaisant. Au contact. On s'en fout, mais. Ouais, non. Oh, nécessite guérison de talent de 100%. Donc, je suis pas prêt de faire un contact apaisant. Par exemple, pour mon cheval, j'aimerais bien le soigner. Et B. Bon, je ferai ça plus tard. De toute façon, c'est con, je suis fauché, mais. Ah, il y en a un autre là. Waouh. C'est absolument génial. Bonjour. Bonjour. Saviez-vous que les nécromanciens ont attaqué le bosquet de la grotte de Bonne Source ? Par les dieux. Oui. Tranche et Cogne. Un nom qui veut tout dire, non? Il a plutôt bien trouvé son nom. Il vend des masses d'armes et des haches particulièrement impressionnantes. Quand Urbul tue quelqu'un ou quelque chose, il ne le fait pas qu'à moitié. Continuez. Vous croyez que ce qui a eu lieu à Gvatch pourrait se reproduire ici? Non, ils ont été pris par surprise. Mais nul doute que la Légion contrôle la situation. Adieu. Ah là là. Oh. Oh, du sel de givre. Ah. Et Mazette. Oh, mais pourvu. Je vais faire dodo. Ouais, bon, quoi, allez, peut-être 2 petites heures même. Je sais pas si j'ai besoin de dormir autant. Ouais, allez, 3 petites heures, allez, go. Me fait plaisir. Ah, il dort toujours, je vais pas l'emmerder. Je
sa connaissance un autre jour. On dirait que vous savez vous servir de votre épée. Oui, je confirme. Je sais. Salutations. Salut. Parce que je suis membre de l'Académie des Mages que je peux faire ça maintenant. C'est cool. Oui, du coup, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a le garde triste? Ah oui, le bouquin, oui, ah, je sais plus où est-ce que je l'ai rangé. Je reviendrai bientôt, de toute façon, pour avec le bouquin. Ah oui, le collectionneur, où est-ce qu'il est? Hein? Il est indiqué nulle part sur la... sur la page. Ah, il faut que je trouve des 10 statues, ouais. Qui retrouve sa gloire d'antan avec les marchands. Ouais, mais ça va encore me coûter une blinde. Ça va encore me coûter une blinde. Ah, tu parles. J'ai plus de 300 pièces d'or. La rigolade. Parlez. Oh, j'ai rien à dire, mon pauvre. La belle affaire. Aïe, je suis membre de la guilde des mages. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes. Non, non. Je vais pas mettre la robe des nécromanciens, ce serait de très mauvais goût.
Comment allez-vous? What? C'est lui en fait qui propose la quête secondaire in English. Du coup, ça fait sauter des voix, mais bon, tant pis. Des rumeurs? Eh, hey, mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Gvatch? C'est vous qui avez fermé la porte d'Oblivion et sauvé la ville? Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Rien de magie, je dis jamais. Je n'aurais pas fait une telle offre à n'importe qui. Oh la vache! Oh là là, oh les tarifs, toi! Plus de 2500 pièces pour rénover une partie du château. Oh là là! Oh là 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 là. N'importe quoi. Merci. Vous êtes ici chez vous. Ouais, merci. Au revoir. Putain, mais il est fou le mec, les tarifs, toi. Nous serons heureux de vous fournir les matériels suivants pour le château de Battlehorn, enfin de la corne de bataille, là. En réception seulement de vos paiements. Pour service rendu, tac. Bref, vous pouvez me décrire en anglais ce qu'il peut me proposer comme un. Oui, la bibliothèque peut être sympa. Ah oui, c'est pas une réserve baraque, mais c'est bien une caserne. C'est-à-dire, c'est pour les hommes qui gardent le château. Pouah. Oh là 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 là. Oi. Bonjour. Qui a-t-il? Oh, je sais plus. Moi, je deviens fou, moi, avec ça. Que puis-je vous offrir? Tu proposes quoi, toi? Il aurait proposé des murs, j'aurais dit oui, mais c'est pas le cas. Ah, laisse tomber. Au revoir. Au revoir. Putain, j'arrête pas de sauvegarder, faut que j'arrête. Je sauvegarde toutes les 10 secondes, c'est devenu un réflexe de fou. Bon. Je suis pas sûr qu'il m'ait préparé le bâton, là. J'aimerais bien lui laisser 24 heures. Aïe. Oh le bordel.
En fait, j'ai plein d'endroits à restaurer, mais c'est dingue. Là, je vais devenir promoteur immobilier, en fait. Oh, la folie, toi. Oh, du coup, je suis embêté. Je suis embêté parce que... Attends, à vendre, on est d'accord, j'ai rien de spécial, j'ai pas fait de bataille. Là, c'est bien, j'ai refait plein de potions. Mais au-delà de ça... Oh. Oh, quel bazar, mais quel bazar. Oula, oui, là le cryo. La cryolame, je peux la recharger. Quelque chose de méchant. Quand vous voulez. Oui, pardon, je vais pas rester sur la route. Je vais manger là, histoire de pas déranger. Bon, bah j'ai pas encore tranché ce que j'allais faire dans le prochain épisode.